Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur mon PC. Et le problème, c'est que la deuxième webcam ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Attendez, je vais regarder un truc vite fait. Périphérique de capture vidéo. Alors, voilà, là elle marche. Ok. Alors, pourquoi là, elle ne veut pas marcher? Je sais pas pourquoi d'ailleurs là elle veut pas marcher. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais la supprimer. Hop, on va aller la rechercher. Mais c'est pas la source que je veux. C'est ça. Ok. Voilà. Et voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Alors, je vais vous expliquer que là, c'est un petit logiciel qui s'appelle. Ah, attendez. On va aller sur le bureau. Qui s'appelle, normalement, qui doit être. Il est là, c'est Power Grid. Vous pouvez le télécharger via directement le site que je vais vous faire voir là. Ou le télécharger via votre téléphone portable. Vous pouvez le télécharger sur le PC et sur le téléphone portable. En fait, c'est une télécommande qui fait en fait, une commande qui contrôle votre PC. Alors, voilà. Là, nous retrouvons sur cette page-là. Voilà. Nous en retrouvons là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Copier. Et on va mettre en bloc-notes, bloc-notes, accessoires, bloc-notes. Voilà, hop, coller. Ça sera fait. Vous faites produit. Quand vous arrivez là, la lumière, ouais, c'est les souris, tapis de souris, clavier, audio, accessoires et logiciels. Vous allez dans les logiciels. Et surtout, n'oubliez pas de vous connecter. J'ai oublié de préciser. Créez-vous un compte. Justement, créez-vous un compte et connectez-vous parce que vous allez avoir des problèmes, je crois, pour télécharger les comment les grilles de vos jeux. À coup que ça c'est fait, votre compte est fait, vous allez sur Power Grid. Là, vous faites download. Vous allez arriver sur ce logiciel-là. Alors, surtout que vous devez l'avoir sur votre téléphone portable, tablette. Alors, par contre, la tablette, moi, elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ça le déconnecte automatiquement. Un coup que c'est fait, que vous avez téléchargé en Windows. Par contre, sur Mac, ça ne marchera pas, je pense. Bon, après, c'est à tester. Là, vous pouvez télécharger sur iOS et Android. Mais je pense que sur Android, il n'y a pas grand-chose. Voilà les grilles que je vous parlais. En fait, on va aller directement sur le store. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup de jeux. Vous avez le LS 2017 Control. Vous avez Euro Truck Simulator 2. D'ailleurs, c'est ce que j'ai là actuellement sur votre écran là. Vous le téléchargez. Alors, par contre, c'est je crois que c'est en allemand, je sais pas quoi. Et en fait, c'est la personne qui l'a créé. Hein. Voilà, en fait, à quoi que ça correspond votre le truc en fait. Mais c'est pas ce qu'est-ce qu'il nous faut, c'est pas tout à fait celui-ci qu'on a. Là, je vous mettrai le vrai truc en fait. Alors par contre ça va poser problème parce que je dois l'avoir, attendez. Je pense que je dois. À la rigueur. Ouais, c'est pas grave. Je vous mettrai directement le lien de la personne. Attendez, je vais aller le chercher directement. Alors. Merde, c'est pas ça. Ah! C'est pas ça que je veux, c'est l'historique. L'historique, bon, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il est 1h15 du matin. Par contre, après, moi, je vais aller coucher. Je terminerai ma. On jouera après. On rejoue après, d'ailleurs.
Alors, normalement, si je ne me trompe pas, c'est une vidéo YouTube, live stream. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Je crois que d'ailleurs c'est celui-ci. Non, parce que ça c'était déjà ouvert avant. Tu avais été avant. Alors, device bouton, voilà, c'est celui-là. Hop. Hop, on coupe le son. Et si je ne me trompe pas, je vous mettrai. Alors, on va mettre celui-là. Puis, d'ailleurs, je vais regarder un truc. Parce que là, il me faut des boutons. Je suis en train de regarder. Ouais, bon. Voilà. Hop, moi il faut juste le truc et je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo, bien sûr. Alors, par contre, hop, ah, ce truc veut bien se mettre. Ah oui, je suis con, moi. Pourquoi j'appuie sur l'autre clavier alors que c'est celui-ci? Voilà, voilà. On va mettre tout ça, on mettra tout ça dans la description. Bon, à coup que vous avez fait ça, et vous avez beaucoup de jeux. Vous pouvez aussi télécharger directement le contrôle. Voilà, ça c'est mon profil, bien sûr. Alors d'ailleurs, hop, on va retourner sur le logiciel et on va retourner sur Store. Je pense que là, vous voyez, mettons, allez, on va prendre simulation. Vous avez American Truck, vous avez American Truck celui-ci. Je sais même pas pourquoi. Attendez, on va aller voir à quoi correspond celui-ci. Alors, d'accord, caméra, radio, ok. Ah, vous voyez qu'on peut parler à SCB avec ce truc-là, ta screen, d'accord. Averte, alert 10, ouais, live, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est le. Comment ça doit être la configuration du logiciel. Alors par contre, j'essaierai de le mettre sur mon PC pour jouer avec. Mais il faut que j'installe un. Bah si, je pourrais l'installer. Mais sur celui-ci, ça va m'embêter parce que je pourrais pas le contrôler. Alors ça, je le ferai pas. Par contre. Faut que j'attende d'avoir le. Comment? L'alligato. Vous avez le truc pour les streamers. Oui, vous avez plein de. Vous avez même des aides. Vous avez plein de. Vous avez quasiment 10 pas. Quasiment 9 pages. Oui, regardez, vous avez plein de screens dessus. Vous choisissez votre jeu que vous avez. Vous le téléchargez. Attendez, je vais prendre un au hasard par contre. Allez, on va retourner sur le 3. On va prendre un jeu que j'ai déjà. Que j'ai, bien sûr. Alors, on va aller sur le 2. On va regarder sur le 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, il n'y a pas le jeu. Vous voyez, le retruc, il est là. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Alors, en fait, regardez, vous en avez. En Euro Truck, putain, vous en avez plein. En fait, vous en avez. Je sais pas combien, mais vous en avez plein. On va pas les télécharger parce que le problème, c'est que. On va pas les télécharger. Alors ça c'est le. En fait ça c'est le logiciel du. Le Farming Simulator ça. FS17. Alors je suis en train de regarder en même temps. Comme ça je vais vous faire voir. Mais je vais pas télécharger une bêtise que je connais pas. Pour éviter justement de le faire. Vous avez même Minecraft aussi.
c'est Minecraft que je l'ai plus. Ouais, ils avaient plein de. Alors, attendez, parce que je suis vraiment désolé parce que je suis en train de regarder en même temps que vous. Skype, on peut télécharger. Alors, oui, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver le. Ah, attendez. Stratégie. Si on fait stratégie, normalement, il devrait y avoir. Snoopy, arrête! Là, vous avez que deux pages. Alors, vous avez XSplit. Je sais pas pourquoi, à quoi que ça sert. Mais le problème, c'est que je peux pas le contrôler parce que sinon, faut que je le télécharge directement via mon PC portable. Directement sur mon PC fixe de stream. Alors, attendez, aventure. Vous avez des aides, vous avez plein de. Vous avez plein de. Plein de. Tout à l'heure, j'avais vu un truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Ah, j'ai Rust. On va télécharger Rust. C'est vu que je l'ai. Voilà. Vous le téléchargez. Vous l'enregistrez sur votre n'importe où. Vous appuyez dessus. Et automatiquement, ça va vous le mettre dans le panel. Voilà. Un coup que ça est fait, vous cochez les deux. Surtout, vous cochez bien cette case-là. Mais malgré qu'il n'y a rien, surtout, vous la cochez quand même. Et vous cochez surtout celle-là pour avoir Rust. Vous voyez, c'est marqué Rust. Vous avez le nom de l'auteur, vous avez son adresse, vous avez son site. Vous faites importer. Un coup que c'est fait, surtout, faut bien faire appliquer. Et vous faites OK. Voilà, moi ça automatiquement ça l'a mis là. Vous voyez, il est là en fait le truc. Et on va passer sur le téléphone. On va passer sur le téléphone et vous allez voir qui y est. Qui est sur le téléphone d'ailleurs. Il est où? Rust. Hop, on va passer sur Rust. Hop, on va y aller doucement. Voilà, vous voyez, hein, parce que ça me dit de l'acheter. On va pas acheter les emplacements. Voilà, vous avez vu qu'il est là en fait. Hein. Vous avez vu que Rust il est dessus. Ça coûte 90 centimes l'emplacement. Vous voyez, ça m'a lancé Rust. Alors que j'ai rien demandé. Parce que j'ai appuyé dessus via le jeu. Hop, on va se mettre là. Par contre, le problème, vu que ça m'a lancé, ça va poser problème. Ça va poser problème. Et on va le quitter. Hop, voilà. Ça ne l'a pas lancé. On va lancer le multi sur Euro Truck Simulator 2 pour bien vous faire voir que ça fonctionne correctement. Bon, voilà, c'est bon, la mise à jour a été faite. Alors, vous le voyez pas parce que je suis avec mon deuxième écran. Voilà, hop, et c'est parti. Normalement, attendez, bah, j'ai plus de. En fait, le problème, c'est que. J'ai un problème, c'est que je sais pas si vous avez le son. Moi, par contre, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Alors, j'espère que vous l'avez normalement. Normalement, c'est normalement, vous devez l'avoir. Allez. Alors, je pense que je le ferai en live aussi, ce truc-là. Voilà. Alors, attendez, moi je vais enlever le casque parce que ça sert à rien du tout que je l'ai sur les oreilles si j'entends pas le truc. Bon, voilà. J'ai remis celui-là. Alors. Là, je l'entends le son.
Alors là, vous pouvez le voir. J'ai juste appuyé. Oui, hein. On va appuyer sur. On va couper les gyros d'ailleurs. Voilà. Vous voyez que là, j'ai pas touché au volant. D'ailleurs, j'espère que le volant il marche. Ah, attendez, là il y a un problème. Voilà, là il est, c'est bon, là je l'entends. En fait, c'est directement la télé. Alors, là vous allez voir, j'ai rien touché. Je vais, tenez, regardez, je vais mettre ma, je vais mettre, regardez, je vais mettre, si j'arrive, voilà, vous voyez, je vais m'écarter du volant. Vous voyez que là, je touche pas au volant. J'ai, attendez, voilà, comme ça, vous ne direz pas que je triche. Je mets ma main gauche sur la tête et je vais, vous allez voir que, hop. Hop. Voilà, là le camion est en route. J'ai juste accéléré avec mon pied. Voilà, vous l'avez vu. On va passer. Regardez. Regardez bien sur la map. Hop. Mais par contre, là, il va falloir que j'enlève. C'est juste la map qui doit apparaître normalement sur le truc, mais c'est pas grave. Job à faux. Voilà, job à faux, vous avez du merlu, surgelé et tout le reste. Par contre, je vais mettre le tab en route, je suis désolé. On va passer au message. On va payer sur le message. On va passer à la. Voilà, regardez. J'ai juste à faire ça, regardez. Alors par contre, moi j'ai mis un truc en fait. Bon, j'ai fait tout à l'heure, j'ai téléchargé mes deux trucs là que vous voyez, phare et ah putain, la webcam elle a bugué, super. La webcam, je suis désolé mais elle a bugué. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle a complètement bugué, super. Alors, attendez 2 secondes. Alors, je sais pas pourquoi elle a putain de bugué. Et vas-y, voilà. On va l'écarter, on va la mettre là-haut. Alors, bon, attendez 2 secondes. Alors, j'espère que. Attendez, est-ce que vous là. Non, ouais, voilà, elle redéconne, super. Désolé, hein. Je suis obligé de la supprimer et de la refaire faire. Capture vidéo. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Vous la voyez. Voilà, c'est bon. Vous la voyez. Vous voyez que là, en fait, là, je suis en plein phare. Si j'appuie sur phare, hop, vous avez entendu le petit bruit que ça a fait? Et là, si je fais des appels de phare, regardez. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Alors, regardez, je vais mettre la caméra comme ça. Là, je l'ai bougé avec la souris. Mais, vous allez voir, je vais faire intérieur. Hop, ça va la remettre le haut qu'elle était tout à l'heure. Bon, là, on va passer vraiment à l'essentiel. On va rouler. Hop, là, vous voyez que là, j'ai juste passé la vitesse. Je vais appuyer juste sur mon vitesse 1. Là, je vais rien toucher au volant. Regardez, je vous jure, hein, je touche pas au volant. Hop, je mets ma là. Et on va enlever le frein de parc. Voilà, c'est tout. Et après, on mettra le cruise régulateur. Alors, par contre, là, chaque fois, j'ai un problème avec le levier de vitesse. On va enlever l'effet de détresse. Alors par contre là, hop, on va en monter le son du jeu. Alors attendez, par contre, faut que je fasse gaffe. Voilà.
Ah, c'est un petit logiciel qui est hyper sympa, ce truc-là. Bah, tout à l'heure, en cherchant juste des boutons pour... juste des boutons de panel en fait, c'est un panel. J'ai cherché ça au hasard. J'ai trouvé mon... Il n'y en avait pas en français, je pense. Je crois que je dois être le seul à le faire en français. Ouais, je dois être le seul à faire en français, je pense. Là, vous voyez que là, je suis avec... attendez, hop, on va passer là. Par contre, on va se remettre en plein phare tout de suite, d'ailleurs. Bah, déjà, ce truc qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le... Hop, voilà. Là, je suis avec le cruise control. En fait, avec le régulateur. On va passer tout de suite... On va se remettre en plein phare. Hop, voilà. Là, on s'est mis en plein phare. Vous avez entendu le petit bruit. Là, si je veux, là, normalement, j'ai le retardataire. Mais je vais pas le faire parce que sinon, ça supprime le régulateur de tour. Le régulateur, en fait. Ça enlève le régulateur. Vous allez voir, je vais zoomer. Vous voyez, là, je suis à 92. Mais en fait, normalement, je roule à 90. Parce que vu que je suis avec le pot drive, vous avez vu tout à l'heure. Par contre, maintenant, je crois qu'on peut les enlever les plafards. Voilà. Vu que maintenant il commence à faire jour, on va les enlever. Ben voilà, c'est un petit logiciel tranquille. En fait, vous pouvez contrôler tout votre PC via le téléphone. Alors, après, il faut avoir l'habitude de le contrôler, hein. Mais je pense que je vais leur télécharger sur le PC et voir sur, parce que vu que je l'ai déjà sur la tablette, voir si le PC reconnaît la tablette. Comme ça lui évitera, vous savez, de télécharger. Comme ça, je pourrais télécharger directement XSplit, contrôler XSplit directement via mon PC pour les lives, via les tablettes directement. Voilà, comme ça lui évitera de. Je peux switcher directement voilà le PC. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ce petit logiciel pour grid, pouvoir grid plutôt, pouvoir grid. Je vous mettrai les deux liens dans la description, le lien du site et le lien télécharger le logiciel, non, les trois liens en fait, le lien du site, le lien pour télécharger le logiciel et le lien pour télécharger ETS2, la commande en fait. Vous allez voir, j'ai juste appuyé si je fais garage, là par contre ça marche pas, voyez si ça marche, en fait faut que je stoppe. Je stoppe directement, sinon ça marchera pas. Voilà. Si, regardez, je vais juste appuyer. Hop, vous voyez, là j'ai deux miroirs. J'ai deux miroirs. Par contre, j'ai. Ah, voilà, normalement c'est le contraire. Vous voyez, ça a supprimé. Voilà, moi j'ai appuyé sur le bouton là, sur le logiciel. Là, je vais juste monter la vitesse du truc avec mon joystick. Voilà. Vous voyez que là, tranquille. Vous voyez, là, tranquille pour l'instant. Bon, vous avez les plafards. Vous avez plein de trucs à faire. Bon, bien sûr, pour que ça s'enregistre sur votre téléphone, il faut que vous l'ayez déjà sur le PC. Sinon, via le PC, je pense que ça ne marchera pas. Si vous avez pas les commandes, là le téléphone. Le téléphone ou tablette, hein, même un autre PC, je pense que ça peut marcher sur un autre PC. Mais il faut que vous ayez BlueStacks sur le second PC, par contre. Alors j'espère qu'il n'y a pas de barrière. Avec cette vitesse, c'est pas grave.
Voilà. Un petit logiciel sympa que je voulais vous faire connaître. Et vous voyez bien que ça marche impeccable en fait. Voilà. Regardez, si je coupe le moteur. Hop, on va remettre tout de suite le cruise control. Voilà. Vous avez vu que j'ai coupé le moteur, en fait, j'ai appuyé plusieurs fois et ça a marché. Ça a marché. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo tutoriel du Power Grid. Derrière, je vous mettrai les trois liens dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. A plus, les amis. Alors, si j'arrive à éteindre le logiciel, pas le logiciel, hein, pas du jeu, mais de capture. Alors, si j'arrive, voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'aimez, mettez des pouces bleus, ça fera toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.